Enfant, je suis enfant du Père et le Christ est à Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, Jésus est donc mon frère. Il a pris mes défauts et j'ai laissé le reste. Pour le suivre en apôtre, je n'ai pas tourné ma veste. Je sais qu'il a pour moi une nouvelle mission que la Trinité Sainte va me confier en don. C'est dans un sanctuaire que l'Esprit m'avait oint, dans une petite chapelle, voilà 10 ans au moins. Sa force vint sur moi qui ne comprenais rien, et pour m'encourager, il me tenait la main. C'est cet élan filial qui mène jusqu'au Père, qui inonde ma mémoire en joyaux de lumière. Tout ce qui fait ma joie en cette journée d'automne, c'est d'aider ce Jésus à sauver tous les hommes. Il est entré en moi et je suis un en lui. Comprenant aujourd'hui pourquoi il m'a choisi. Amen. Puisqu'on lit la tendresse dans les yeux d'un enfant que l'on prend par la main pour aller de l'avant, dites-lui la beauté du regard intérieur, il doit en être fier et laisser le sourire. Épuiser dans sa vie ses élans d'enthousiasme, son regard obstiné pour les choses qu'il aime. Apprenez-lui la voie de la simplicité, de la fraternité, et laissez le sourire. Marie revenait pour confier ses messages. Elle prendrait des enfants au milieu d'un village. Et pour le monde entier, elle serait la gospa qui fait le premier pas. Elle saurait leur sourire. Jésus revenait au milieu de nos doutes, il choisirait l'enfant qui lui montre la route. Et aux places des villes, lui dirait le message qui est dans le partage, il saurait lui sourire. Et l'enfant partirait diffuser sa parole, la vérité cachée au creux des paraboles. Il mènerait les hommes comme le grand commandant d'une troupe d'enfants qui auraient le sourire.